Le premier défi va vous demander de visiter un site de Shipit Express. Vous avez trois possibilités pour réaliser ce défi. Vous avez le premier emplacement qui se trouve à Asie Insides. Ensuite, vous avez à Pleasant Piazza, donc juste ici. Et vous avez à Rizzi Riviera. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à l'un de ces trois emplacements et vous allez devoir trouver l'emplacement Shipit Express. Donc c'est avec ce logo là. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rentrer dans le magasin. Et dès que vous aurez rentré dans le magasin, bah là, vous aurez terminé le défi. Le deuxième défi va vous demander d'enquêter sur les cachettes à cadeaux volés. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements qui sont indiqués sur la map. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à ces emplacements-là. Moi, je vais me rendre juste ici à Classy. Et je vais enquêter sur les cadeaux. Donc logiquement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Il devrait y avoir des cadeaux au sol. Donc regardez, là, j'en vois déjà. J'en vois un peu partout. En plus, il est indiqué par un petit point d'exclamation. Donc là, il y en a. Je pense que cela, ça devrait fonctionner aussi, non? Je pense pas, en fait. Non, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment enquêter sur le cadeau en question avec le petit point d'exclamation. Dès que vous aurez enquêté sur ce cadeau, vous allez devoir le faire à deux autres emplacements. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter le chalet de Casse-Noisette quand l'île du Butin apparaît. Donc, l'île du Butin apparaît vers la troisième ou quatrième tempête. Elle est représentée comme ceci. Elle apparaît aléatoirement sur la map. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller la visiter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous allons prendre la petite tyrolienne qui est juste ici. Et logiquement, il devrait y avoir une modification des lieux. Ah bah non, pas du tout. Alors j'ai l'impression que le défi est bugué parce que normalement, il devrait y avoir le chalet à la place de cette grande villa. Mais en fait, il n'y a pas le chalet sur l'île du Butin. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bugué. Il va falloir que Fortnite corrige ça. Mais normalement, si le défi ne serait pas bugué, le chalet de Casse-Noisette se trouverait sur cette île volante. Donc quand le défi sera débugué, ben c'est ce que vous devrez faire. Vous devrez juste aller sur l'île volante pour visiter le chalet de Casse-Noisette pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler à Carton Festive des colis volés. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay, à côté de Pleasant Piazza. Et à cet emplacement-là, il y a le personnage Carton Festive. Donc vous allez devoir lui parler comme ceci pour terminer le défi. Et dès que ce sera fait, ben vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec les boules de neige du lance-boules de neige. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous trouvez un lance-boules de neige dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Pleasant Piazza. Donc juste ici, vous parlez au personnage. Ce personnage-là va vous vendre justement le lance-boules de neige contre des lingots. Je ne sais pas exactement combien de lingots, on va voir ça. Je pense que ça doit être 200 ou 300 lingots. Alors, non, c'est 600 lingots d'or. Mais voilà, vous pouvez acheter le lance-boules de neige pour 600 lingots d'or à la place de le chercher. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher les adversaires avec la boule de neige, comme ceci. Dès que vous aurez touché 3 adversaires, ou 3 fois le même adversaire, je ne sais pas si ça fonctionne. On va voir. Ouais, donc vous pouvez même toucher 3 fois le même adversaire pour que ça valide le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des objets à lancer dans le mode temporaire Shipit Express. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans l'onglet Jouer. Ensuite, dans les modes de jeu par épique, vous allez devoir sélectionner le mode Shipit Express. Ensuite, vous lancez le jeu. Alors ensuite, quand la partie va se lancer, vous serez dans une partie complètement normale avec la map normale. Sauf que dans les coffres et tout ça, vous allez trouver que des objets à lancer. Donc par exemple des grenades collantes, du C4, etc., de la TNT, etc., etc. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement infliger 300 de dégâts aux adversaires avec des objets à lancer. Donc tout ce que vous allez pouvoir lancer qui inflige des dégâts sera comptabilisé pour le défi. Et dès que vous aurez infligé 300 de dégâts aux adversaires, bah là vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCF.